Bonsoir tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sous ce beau lever de soleil pour un nouveau tuto où je vais vous apprendre à faire un poulailler à peu près automatique, on va dire 90% automatique. Donc c'est parti, juste démuer mon son, que les poules aient gueule. Voilà, bon le voilà. Des poules, c'est vraiment tout petit, parfait pour le multijoueur. Et je n'ai rien fait, il y a tout ça. Donc là, vous avez les poules, quelques petits lags, désolé. Alors, on fait 1, 2, 3. Merde, comment je me fail? C'est pas grave. Alors, normalement, oh, tous les œufs qu'il y a, ce que les poules ont droppé. Il me semble que ça a fail. Ah, attendez. Alors, hop. J'ai mis un peu trop la latte, c'est pour ça. Alors, on casse là, on casse là. Et là, hop. Voilà. Alors. 1, 2, 3, 4. Faut que je sois plus rapide. Vous voyez quand même toute la nourriture qu'on a, c'est assez considérable hein, pour survivre. Ah, hop, hop. Là, faut vraiment que je sois rapide. 1, 2, 3. Voilà, comme ça. Vous avez vos poules qui brûlent et toute la nourriture va dans les droppers, dans les hoppers qui vont dans le coffre. Voilà. Bon, je sais pas où est-ce que ça s'est mis vu qu'il y en a plein. Vous avez de la pâte cuite, des plumes. Ce que je fais, c'est moi je prends les plumes là-dedans. Vous en avez plein pour faire des flèches. Plein d'œufs que je vous remettrai dans les dispensers, mais ça va être un peu rapide. Donc, et plein de nourriture. Bon, on va apprendre à faire ça. Ce petit bijou. Vous voyez que la lave n'a pas tué les petits poulets. Les chickens. Donc c'est parti. Au début, regardez ça, petit système pour dès qu'un œuf tombe dans le dispenser, il est tiré. Le comparateur détecte les œufs. Enfin, dès qu'il y a un truc dedans, comme là, vous voyez, il y a du courant. Il envoie du courant dans le répéteur, qui envoie dans le bloc là, dans celui-là et dans celui-là. Qui en envoie dans celui-là, qui en envoie dans le dispenser et qui tire un œuf. Et ça permet qu'on puisse le faire plusieurs fois en une seconde. Donc voilà, bon, on va commencer. Je vais me mettre ici. Je vais essayer de pas me fail vu que ça fait longtemps que je l'ai fait quand même. Alors, on va faire ça comme ça. Faire un trou de 4. Voilà. Après, vous descendez un peu. Hop. Hop, 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 hop. Vous pouvez même le faire en cobble, hein, ça change rien. Moi, c'est juste comme ça. Hop. Hop, hop, hop. Après ça, vous cassez. Vous prenez un hopper, un dispenser, voilà. Alors là, on va mettre de l'eau ici, hop, hop, on monte, hop, 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 je vais faire ça comme ça là, hop, vous prenez un seau d'eau, hop, comme ceci. Dans l'angle, ça vous cassez le dispenser, vous le mettez comme ceci, comment pour le ouais, comme ça on va dire, hop, non. Voilà, après vous me faites ça là,
ça là, ça là. Hop. Hop. Bien, hop. Hop. Hop, 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 hop. Voilà. Après, ça, on continue. Voilà. On va faire la cuvette maintenant. Voilà. Ça, comme ça. Bon, là, moi, je mets des vitres pour voir ce qui se passe. Hop, hop. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Ici, pareil. Ici, vous pouvez faire comme ça. Là, on bloque. Voilà. Maintenant, il fait dispenser ici. Un là. Un là. Hop, bien. Un là, un là. Enfin, le verre. Ici, hop, hop. Comment que j'ai fait? Ouais, je fais comme ça. Alors. Wow. Oh, comment ça lag? Je sais pas pourquoi. Généralement sur cette map tout va bien. Alors on prend le levier, un peu de redstone. Pas besoin de énormément de redstone, c'est un avantage. Hop hop. Ici le levier. Que vous entendez qui active. Voilà. Là dedans, fuck, vous mettez deux seaux de lave qui ne s'utiliseront pas, ou qui seront comme une source infinie. Voilà, un seau de lave là, un seau de lave là. Là dedans, on va rentrer. Alors, on prend demi dalle, hop. Alors, je suis coincé. Attends, d'abord faut prendre les hoppers. Comme ça. Comme ça. Demi-dalle. Comme ça. Alors, on ferme. Comme ça. Là, vous faites ce que vous voulez pour aller chercher votre nourriture. Enfin, un petit escalier comme ça, j'aime bien. Hop, 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 hop. Ici vous mettez un chest. Hop. Oh, excusez-moi. Alors vous avez vu, j'ai fait une petite déco. Comme ça, hop. Bien sympa avec un coffre. On va passer à la suite. Alors au début, ici vous n'avez pas de poule mère. Bah, c'est pas compliqué. Vous avez juste à choper des vrais œufs. La nature, et vous prenez ça, les œufs comme ça, hop, et vous les éclatez. Vous attendez que les poules grandissent et vont faire plein de petits œufs qui vont refaire, qui vont refaire. Bon, pour accélérer les choses, je vais prendre un œuf là, mettez. Une dizaine de poules mères, c'est mieux. Donc voilà, le système est presque fini. Maintenant on va passer au petit système ici, slash clear. Vous prenez un comparateur, un repeater, une redstone, et voilà. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça, mais bon, voilà. Oula. Alors là, le casser, hop, c'est comme ça. Un repeater devant. Comme ça. Une ligne de redstone. Un cube là. Un cube là. Une redstone ici. Et un repeater ici. Voilà. Et votre système, votre poulailler est prêt.
Vous aurez bien pu tout faire en cobble, ça change rien, je précise. Alors là, dès qu'une poule va pondre un œuf, ça va. Est-ce que je peux casser ça? Oh putain. Ceci est un gros fail. Hop. C'est pas grave. Alors hop. Ouais, Peter. Hop, 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 hop. Et une. Ouais, une redstone. Alors, dès que la poule va pondre un œuf, elle va atterrir dans le dispenser. L'œuf va atterrir dans le dispenser. Capté par le comparateur qui va faire le tour, envoyer le courant là-dedans. Qui va envoyer dans le cube, qui va envoyer dans le dispenser. Et projeter l'œuf là-dedans. Donc voilà. On va faire un petit test. Je prendrai les œufs là-bas. Vous savez que tout seul, pendant que j'étais en train de construire un autre truc que je vais faire en tuto, j'ai quand même eu tout ça comme œuf. Vous pouvez très bien remettre. Bon, je vais en prendre 3 stacks. Vous allez voir, je vais les mettre là-dedans. Oh, le pipi clag. Alors. Vous avez un. Merde, je t'ai dispersé. On voit les œufs. Il n'a pas eu beaucoup. Bon, c'est pas. Regarde, je vais continuer à tout jeter. Voilà. La machine s'occupe de tout. Donc vous avez rien à faire jusque-là. Voilà, il y a plein de petits bébés. Qui en grandissant, si vous les tuez pas tout de suite, vont refaire des œufs et pondre là-dedans. Voilà. Et pour les remettre dans le dispenser, ça c'est une boucle interminable. Donc voilà, on va attendre que les petits poussent. Il faut environ une vingtaine de minutes. Voilà, les petits sont grands maintenant. On va passer à la cuisson. Donc la cuisson c'est simple. Vous avez votre levier vers le haut. Au dispenser rempli de lave avec la de la redstone, vous allez faire 3 tics rapidement. 1, 2, 3. Ça flambe. Les petits sont encore en vie. Et votre nourriture est ici. Et vous voyez que ça augmente. Vous avez eu 10 poulets. Alors là, il faut toujours faire un coffre. Comme ça, hop, ça c'est pas possible. Un coffre à plumes avec un item frame et une plume dedans. Oh le feu, c'est bon, il est là. Hop, hop, et hop, voilà. Et vous en avez 10. Et après, là vous avez d'autres petits. Si vous les laissez grandir pendant on va dire 40 minutes, ils vont vous faire, vous allez vous retrouver avec des grands là-haut et presque 3 stacks d'œufs ici, 2 ou 3 stacks dans votre coffre qu'ils auront pondu, que vous pourrez reprendre et rejeter comme ça par-dessus ou dans le dispenser. Ou limite refaire des poules mères pour que ça fasse encore plus d'œufs. Voilà. Donc voilà, c'est fini. Bon, bien sûr, avec le plume, vous pouvez directement faire des flèches. C'est très pratique. C'est bien pour les archers. Donc voilà, ce petit tuto est terminé. On aura mis où est-ce qu'il est, soleil, lune. On aura mis, il n'y a pas de lune. Ok. On aura mis à peu près une journée, enfin une journée minecraftienne. Voilà, j'espère. J'espère que ça vous servira en multijoueur comme en solo. C'est un petit système que j'ai pensé. Enfin, le petit système derrière, c'est pas ma création, hein. Mais c'est assez pratique. Et un truc avant de copier quelque chose, particulièrement en redstone, essayez de le comprendre. Ne le faites pas. J'ai fait ça, regardez de ça. Vous essayez de le comprendre, de voir comment il marche, et après vous pouvez le faire en vidéo.
Donc voilà, les petits sont sauvés, tout va bien, et notre bouffe est ici. Voilà. Bon bah je vous dis à la prochaine pour un prochain tuto. Je pense que je vais faire le générateur d'obsidienne 2.0, qui n'est pas de ma création, mais j'ai ajouté un petit truc. Donc voilà, laissez un commentaire, un j'aime, si ça vous a plu, commentaire si je parle toujours comme si toujours si j'ai des choses à changer, si ça marche, si vous avez réussi. Voilà, si vous aimez ce que je fais, voilà, abonnez-vous pareil si vous aimez le contenu de mes vidéos. En haut à gauche, vous avez ma dernière vidéo sur Camtasia qui est faire des vidéos YouTube si jamais vous en faites. En haut à gauche de l'écran, et en haut à droite, vous avez comment ça s'appelle, mon dernier épisode de World of Redstone. Voilà. Bon bah je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. One way or another, I'm gonna find ya. I'm gonna get you, get you, get you, get you. One way or another, I'm gonna win ya. I'm gonna get you, get you, get you, get you. One way or another, I'm gonna see ya. I'm gonna meet you, meet you, meet you, meet you. One day, maybe next week.